Alors, une chose qu'on ne dit pas forcément, mais qu'il faut savoir, c'est que le carrelage, surtout de la salle de bain, apparemment, il faut le tremper avant de le mettre au mur. Donc, c'est ce que je vais faire. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est maintenant, je vais mélanger la colle qui va me servir à coller les carreaux de carrelage. Pour ça, je vais utiliser la perceuse et le... ceci pour mélanger. Les proportions, je les fais toujours approximativement, je ne les fais pas comme c'est écrit sur le truc parce que c'est un peu comme, comme dans la cuisine. Il faut savoir plus ou moins, il faut que la pâte elle soit plus ou moins homogène et lisse et pas trop coulante. Enfin bon, je fais à vue d'œil en fait, je ne regarde pas vraiment ce qui est écrit sur le paquet. C'est pas forcément génial, mais bon, c'est pas grave, moi c'est ma façon de travailler. Donc j'ai jamais enlevé un truc d'une perceuse ni jamais mis rien dedans, donc je sais pas très bien comment ça fonctionne. Donc on va découvrir ça tout de suite. Ah oui, je crois que ça doit être comme ça. Hey, yeah, j'ai réussi, c'est génial. Bon alors. Ah oui, il faut carrément dévisser le truc pour que ce soit... D'accord. Bon. Je suppose que là ça sert à rien. Hein. Voilà. Donc je suis parée pour le mélange. Ok. D'abord un petit peu d'eau. Et après je mets la colle qui va me servir. Je crois que c'est trop d'eau encore. Est-ce qu'il n'y a pas un truc pour que ça aille moins vite là? Ok, je pense que c'est bon.